Ça va ta journée, mon cœur? T'as le boss, un quart d'heure sur le boss. À mourir en boucle. Qu'est-ce que c'est que ce caillou? Pourquoi il est... Hein? Qu'est-ce que c'est que ce caillou? Pourquoi je peux bouger ce caillou? Allumer l'ampoule. D'accord. Merde. Merde, c'est vrai, putain mec, j'ai des mines. Ah, c'est en one shot par contre. Merde, quel con. Mais non. Oh, ça va être chiant, putain. Ah merde, j'ai plus de vie. Lisa, t'arrêtes ça tout de suite. Putain, je recommence là. Oh putain. Putain, si je meurs, je recommence là, quoi. Pas par là, c'est... Mais pousse-toi, toi. Putain, mais il me faut des cœurs, moi. Sinon, je vais... en 3-4 essais, je vais mourir. Allez, capitaine. Super, super, j'arrive même pas à la caverne, je meurs, oh la vache. Putain, qu'est-ce qu'ils font mal ces ennemis, c'est un truc de dingue. Putain, j'ai pas un truc prêt. Si, si, si. En passant par le désert, j'ai un téléporteur beaucoup plus safe. Alors le téléporteur du désert... C'est ça, hein. Ah, c'est ça. Tiens, ça n'a pas peur. Salut Julien. Je te conseille Itoldu 2, il doit être aussi sur PS4, c'est une petite perle de Zelda-like si tu aimes les Zelda-like. Quoi? Quoi? J'entends rien. Oui, oui, c'est bon. Ah ouais, c'est chaud ce qu'il faut faire en fait.
Oh la haine, putain. Putain, mais... Là, je suis intelligent quand je veux. Hein? Oh. Salut Minel, comment va? Merci pour le host. Ça c'est fait. Donc comment on va là-bas? J'imagine que c'est par là. Ah oui, je suis pas allé ici, c'est ça. Je suis une patate. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut Pmeno. Je décorais les arbres dehors lorsqu'une des ampoules a claqué, mais je n'ai pas pu la faire descendre de l'arbre. C'était quelque part au sud de là où vivent les carottes. Ok. Il y a un truc qui pue par ici. À quoi ça a servi? Salut Para! Comment va? Ouais. Après. C'est l'histoire de l'autre là qui coupe toujours les fils rouge vert bleu. Passage, c'est quoi ce jeu? C'est Little Do 2, c'est une espèce de Zelda-like. 8 à 9 heures de durée de vie. Extrêmement bien foutu, extrêmement attachant, extrêmement bien ficelé. Danger, ce bouton actionne le canon. Mais il l'actionne une fois, c'est ça l'idée? Puisqu'il reste de sa vie, ça sent le sapin. C'est pas grave, je suis dans le donjon, au cas où je meurs, je reviens au début du donjon. C'est déjà ça, tu me diras. Oh non, pas vous! Oh là 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 là, vous êtes. Cœur! De toute façon, c'était sûr. Hein. Vu ce que j'avais, au moins je suis là. Thank you.
Je déteste ce putain de squelette. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tout le monde qui a le changement de qualité de vidéo, now? Ah bon, maintenant on peut changer la qualité de vidéo chez tout le monde? Putain, je me bats contre Naruto! Ou Isabazabazou, là? Oh là là. Non! Heureusement qu'il faut pas les refaire, les serveurs. Mais non. J'arrive à battre le dernier boss du jeu, j'arrive pas à battre un simple ennemi dans un donjon. Bah c'est bien s'ils ont mis cette option pour tout le monde, hein, parce que c'était vraiment débile de garder ça juste pour les gros quoi, il n'y avait aucun intérêt, aucune logique. Mais pourquoi je me mange des dégâts? Il n'y a pas de raison que je me mange des dégâts. L'ennemi de feu, l'explosion, je l'esquive. Si je roulade au bon moment, l'explosion elle s'esquive. Pourquoi elle s'esquive pas avec la glace? Ah non, c'est juste que je la fais au mauvais moment. Parce que le timing est un peu différent. Ok. Ouais, c'est ça, c'est juste le timing qui est au mauvais moment. Je comprends pas. Ce boss, trop lent. Ah non, mais c'est clair. Mais non! Oh, et surtout, je commence à fatiguer, je crois. Ouais, c'est une sorte de mini-boss, quoi. De demi-boss. Mais... ta mère. C'est mort. Tellement chiant à esquiver ces combos, c'est... C'est tellement chiant à esquiver ces combos. Ça va passer, ça va passer. Mais non. C'est quoi le but du jeu? En fait, on est sur un radeau, on s'échoue avec le radeau explose et il y a... On apprend qu'il y a 8 morceaux de radeau répartis dans 8 donjons et on doit aller récupérer les 8 morceaux de radeau pour se barrer de cette île. Voilà, c'est l'histoire. Mais c'est infaisable. Le timing, j'arrive pas à quoi. Le timing du feu. Mais alors, le timing de la glace ?
Oh là, je l'ai bien aimé. Là, je l'ai bien aimé. Oh là, trois fois de suite, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Mais non! Putain, mais crève au bout d'un moment! Mais crève au bout d'un moment! Je t'ai mis je sais pas combien de coups! Il est cool le scénar! Hein. Moi j'aime bien ce genre de petit setup. Ah, fais chier. Ah, il se coule à l'épée là. Mais non, mais si je me fais avoir par le coup d'épée de simple. Oh là, putain, je ralentis. Le jeu est très bien. Le jeu est génial. C'est un putain de Zelda-like avec un très bon level design. Il y a juste 2-3 ennemis là, comme ça là. Bon Dieu qu'ils sont chiants. Et durs. Ah putain. Mais t'as pas le temps d'esquiver, de savoir c'est quel coup d'épée, si c'est le coup d'épée circulaire ou le coup d'épée... Oh putain la vache. Si si, il est là, regarde, je l'ai reçu. Mais en fait, ce... Je voulais jouer qu'une petite heure ou deux. Je voulais jouer qu'une petite heure ou deux à ce Little Do et... Gros coup de cœur. Très très gros coup de cœur ce Little Do. Donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout, là je suis pas très loin de la fin. Donc j'irai jusqu'au bout. Et Watch Dogs 2 après. Mais non, mais il est impossible à esquiver. Mais trois fois, fait tout le temps la même chose. C'est mort. Mais il est infaillible ce mec. J'en ai jamais entendu parler du premier non plus. Hein. J'ai découvert ça avec le 2 ce matin quand je me suis connecté. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tiens, graphiquement, il a l'air sympa. Tiens, ça ressemble à du Zelda. Tiens, les musiques, elles ont l'air cool, on va jouer. Et gros coup de cœur. Il est invincible, c'est pas possible! J'ai mis combien de coups, sérieux? Merde. Bon, si tu attends un peu vers 9h30, je pense que... Il est quelle heure, là? 8h30? Ouais, vers 9h30, 10h. Je pense que j'aurais fait le tour de ce Little Do. Bon, attends, je vais essayer autre chose parce que... Je tourne en boucle, là. C'est mort autant que je meurs. J'ai l'impression que ça lui fait pas beaucoup de dégâts la magie. Enfin, je suis trop lent à la magie, il faut réagir au quart de tour et la magie elle est beaucoup trop lente. Non, faut juste que je fasse gaffe. Putain, voilà, faut juste que je...
putain, mais... Je sais pas comment esquiver ce truc-là. Je comprends pas. Ça va faire 10 minutes que je suis bloqué là-dessus, je comprends pas. Putain! Mais non. Le timing pour contrer ce truc est tellement... Enfin, pour éviter ce truc est tellement mince, c'est hallucinant. C'est dommage car moi je viens à peu près 10 minutes du coup, c'est pas très intéressant pour moi car t'es bloqué sur ce mini-boss. Bah j'y peux rien hein, Para, si c'est pas intéressant pour toi, hein. L'important c'est que ce soit intéressant pour moi. T'avais qu'à venir à 4h de l'après-midi parce que je stream depuis 4h de l'après-midi. T'aurais vu comment c'était intéressant. Tu veux que ça soit plus intéressant, achète le jeu, tu verras, il est génial. Comment on esquive ce truc, bordel de merde? Putain. Je sais pas comment on esquive ce truc. Bon, je vais essayer de le choper de loin. J'ai essayé de faire une attaque des distances, mais le problème c'est que distance, je le tape que de temps en temps. Quoi. Et tu vois la dynamite. Comment on esquive ce truc, putain? Mais non. Il a même pas le temps de se prendre la dynamite qu'il est en train de... qu'il a disparu. T'as la zone de ce truc quand même. Oh merde! J'ai l'impression que c'est un peu mieux la dynamite. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Mais non, qu'est-ce que je fais? Oh putain, la zone, est-ce qu'on est au milieu? Ça le touche au moins? J'ai
Est-ce que ça le touche en moins? J'ai l'impression. Ah merde, je me suis fait toucher des points. Oh non. J'ai pas l'impression que je le touche. Bon, allez, courage. On va le faire à l'ancienne. T'as pas autre chose comme attaque ? Oh la vache! Ouais, faut juste que je chope. Il a 3 attaques, faut juste que je réagisse au quart de tour à chaque attaque, quoi. Merde! Mais non! T'as pas autre chose comme attaque, t'es sérieux? Putain! Et aussi, il faut avoir de la chance qu'il fasse pas tout le temps la même attaque. Attends, mon cœur. Je peux pas, là. Je peux pas, je t'ai dit. Merde. Ok. Merde. First try. Oui, je vois ça, mon cœur. Vous avez reçu l'anneau de glace niveau 2, il n'aime plus vraiment plus de dégâts. Ah voilà, easy. Salut Seb. Ok, alors ça c'est fait. Il y a un autre secret par là. Celui-là, je pourrais le mettre dans le best-of, va falloir que je le retrouve, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Putain, mais je peux pas réfléchir avec ces conneries. Oh, merde, où est-ce qu'il va me remettre? Ok, il me remet là, c'est déjà ça. Bah, allez, fallait coucher. T'as 10 kilos sur les épaules, c'est pas non plus la mort. 13 kilos. Qu'est-ce que c'est que cette tête?
sûrement les mettre dans un sens, tu me diras. Ah, c'était ça. Putain. Bravo. Bon, allez, allez. Putain, mais c'est un vrai... C'est pour revenir. Ouais. Ok. Donc j'aurais peut-être... Ah, il y a une autre caverne en dessous. Après, il va y avoir plein de secrets que je vais pas réussir à trouver, je pense. Je fais quoi, moi? Ah, il y a une autre caverne au-dessus. Attends, il y a une sortie. Ah, mais c'est pas validé. Ah ouais, ça c'est pas validé. C'est pourquoi ça c'est pas validé? Il y a une autre sortie dans le coin? Pas d'autres sorties dans le coin. Pourquoi ça s'est pas validé ici? J'en reviens là. On est d'accord. Alors là, ça me dépose. Et là, faut faire quoi? Par où il arrive là-bas? Ah putain, ok, il y a toute une zone encore. Coucou le caillou, quelle surprise de vous voir ici. Qu'est-ce qu'ils sont chiants ces ennemis, c'est un truc de dingue. Zone interdite. Circulez, il y a rien à voir, pas seul. Faites demi-tour immédiatement. Malheur à ceux qui ignorent cet avertissement. Je suis sérieux, vous savez. Vous savez seulement lire. Ceci est votre dernier avertissement, pas seul.
Bah justement, j'ai pas celle. Ah. Toute personne arrivée jusqu'ici n'ira pas plus loin. J'ai 10% de la dernière pièce du puzzle, pas celle. J'ai que 3 clés. 2 clés. 2 ou 2 ou 3 clés. Il y a un ultime donjon donc. Et la quatrième clé se trouve dans un dans le donjon à 24 queues. Mais j'ai pas 24 queues. Pour trouver les secrets qui restent, bonjour. Ah ouais, 24, il me manque. Oh la vache, il m'en manque trop. Ouais. C'est pas maintenant que je vais finir à 100%. Pourquoi cette caverne et c'est pas validé? Un tour dans cette caverne? Y'a pas de raison que ce soit pas validé. Que ce soit pas validé ici. Surtout qu'il y a l'air d'avoir rien. Rien de particulier. Là. Nice, poste. Yes. Comment tu m'en... Au San Francisco. Comme la golpe. Bon, on va faire encore 10 tours de 10 minutes, essayer de voir ce qu'il y a à faire et puis on va passer à Watch Dog. Dada. Ah, il y a quelque chose ici. N'est pas à être téléporté. Merde. Extrêmement compliqué. T'as tout ça pour un crochet? Non mais t'es sérieux? C'est créé aussi tordu pour un crochet? Mais du coup, elle a fait un genre le dernier château au monde, c'est pratiquement tout fini. Ah, j'ai pratiquement tout fini là. Aïe. Mais non, c'est pas par là en plus, c'est par là. Ouais, j'ai pratiquement tout fini. T'as 97% du jeu. Il reste juste le chat. Mais non. Le donjon optionnel, à mon avis, qui est toujours le donjon le plus dur du jeu. Okay, bon. Ah bah tiens, il y a un téléporteur là, c'est parfait. On va inspecter un peu, allez, un quart d'heure. À 9h15, je passe sur Watch Dog.
secret là? Il y a un secret que j'ai pas découvert. Enfin, j'ai pas découvert. Ah, j'y suis pas allé là. Elles sont chouettes les musiques. Hein. Ouais, il est là. On va aller vite, fait. Et une autre queue. Ah, mais il m'en manque trop des queues, laisse tomber. Ça paraît bizarre que ça soit ici, ça comme ça, à tous les coups, il y a un secret ici. Non ah. J'ai un rayon de lumière bizarre là sur moi. Comment tu veux que je comprenne la note? Mais il y a 36 milliards de combinaisons possibles! Attends, là ça le fait pas là. Non, c'est que là, ok, il y a un truc à faire ici. Attends, t'as pas un conseil là? Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait là. C'est quoi la différence entre level design et game design? Comment t'expliquer? Comment t'expliquer? Le level design, c'est comment est construit la map. Tu vois, là, donc on monte, là, on descend un peu, il avait décidé de mettre un caillou là, là, puis là, ça fait descente, ça fait, tu vois, ça fait joli, c'est du level design, c'est de l'architecture, ça construit. Game design. Tiens, on va mettre une énigme ici. Mais on sait pas quoi faire, mais on va essayer de réfléchir, donc ça émet des sons, donc c'est... Ou alors on les aide, on met un aigu plus grave, plus aigu, on construit quelque chose qui donne une idée aux joueurs. C'est ça le game design. Le jeu est pensé. Comment le jeu est pensé? Comment le jeu interagit avec le joueur? Attends, c'est lui qui parlait, je crois, de ça. Psst, hey, tu es déjà allé au jardin de traverse. Non, c'est pas ça. C'est pas lui. C'est pas lui. Et j'en suis très loin de ce qu'est véritablement le game design. J'ai été game designer lors de la Global Game Jam 2012 ou 2013. J'étais dans une équipe de 6 en tant que game designer. Il y avait un level designer et deux... Et ça me fait une belle jambe. Bon. Soit je dois refaire Frère Jacques. Soit... Classique, cohérent et un peu casual, il y a deux choix. Soit tu fais du moins grave au plus grave, ou du moins aigu au plus aigu, ou du plus aigu au moins aigu. Ou alors c'est une combinaison genre au hasard. Là ils ont bien tous un son distinct. Alors moi j'ai pas l'oreille musicale.
C'est presque mystique. Hein. Voilà, ça c'est du bon game design. Ascension en automne. Oh bien la musique. Vous avez reçu un pisteur niveau 2 révèle l'emplacement des boss et des boss de donjons et des coffres. Mais ça je m'en fous, mais alors. J'ai fini le jeu, j'ai vraiment pas besoin de cet objet. J'aurais besoin de cet objet au début du jeu. Mais là. Bon, tu me diras. C'est toujours ça. J'adore cette musique. Le truc c'est de m'arrêter et de chercher des trucs que j'ai. C'est quand même grande. Hein. Parce que mine de rien, 19, il me manque 5 queues. Il y a 5 queues hein, que j'ai pas trouvé. Bah, il y a pas. Mine de rien, il y a 5... 5, c'est quand même énorme, 5. Et là-bas, il y a un secret que j'ai pas découvert. Seul endroit... Bah, je vais aller au seul endroit où j'ai pas découvert le secret, c'est-à-dire là-bas, en bas. Ouais, puis on va aller par la droite en fait. Par la droite. On va passer par la forêt au cas où il y a un secret que j'aurais pas trouvé. Dans la forêt, là, y a rien, y a pas de. Quand même chelou toute cette zone sans aucun secret, ça me paraît vraiment chelou. Bah tiens. Sous de ma gueule. Fallait bloquer le bouton pour y aller, putain. Un dernier truc, Psycho, tu me conseilles? Bah si t'aimes bien les Zelda-like, oui, oui, je te le conseille. Si t'aimes bien les vieux Zelda-like, il est à 20€, donc il est vraiment pas cher. Tu peux que te régaler dessus. Oasis Brutal. Alors. Danger. Oh non, pas le cactus, putain.
Vous aviez reçu un grimoire de mien, vous aviez une chance sur deux de contrer des altérations d'état néfaste. Ok. Ça veut dire que je trouve des secrets d'objets, mais j'ai toujours pas encore 5 secrets de pour trouver les queues. C'est quoi le point d'interrogation tout en haut? C'est le dernier donjon, là, le donjon optionnel en fait. Qui est tout en haut. Mais pour ça, il faut que je fasse un autre donjon optionnel qui est... Il faut 24 queues. Mais non, pas toi. Les queues de renard, et là j'en ai 19. Donc ça veut dire qu'il m'en manque 5 qui sont sûrement parsemés dans des secrets à gauche à droite. Et il y en a, ils sont tellement tordus que j'ai trouvé tellement par hasard. C'est quand même paraît bizarre que des zones comme ça et qu'il n'y a pas de caverne. C'est super chelou quand même. Alors, regarde, ça sent l'entrée de caverne, mais comment on la débloque? Il y a une étoile bleue là-haut, peut-être que. J'adore la musique. Tellement cool la musique, putain. Une queue, 20, plus que 4. Mais ouh, bordel. Bon, une là-bas. J'imagine que dans la neige, en espérant, c'est peut-être une queue. C'est-à-dire qu'il en faut en créer 3. Mais en bas, j'ai quelque chose. Ça paraît tellement évident. En fait, il faudrait que je regarde une carte finie, une carte finale sur internet et que je compare tout simplement les grottes que lui il a découvert et que moi j'ai découvert. Salut Rolia! Pareil, là dans la forêt il n'y a rien, ça me paraît tellement chelou. Chercher une meute de foin dans un bol de foin. Mais qui, pourquoi l'univers? Parce que les expandables. Merde, mais non, j'y suis allé. Attends, qu'est-ce qu'il dit lui? Attends. Il y en a, ils donnent des petits secrets comme ça, là. Je suis magique, merci. C'est pas là, attends, c'est où? Bon, je vais essayer de trouver dans la neige là et puis on va passer à autre chose. Parce que mine de rien, j'ai envie de jouer à Walking Dead. Walking Dead. À Watch Dog aussi.
Salut, ton aventure touche à sa fin, je me trompe. Il en va de même pour mes vacances, mais je vais quand même rester admirer un peu ce super marécage. Ah si c'est ton kiff. Récupère des choses qui ne sont pas à leur place à la cour gelée. Salut Beignet. Ça y est, je suis dans le schnorr. C'est d'analyser la carte, mais... Oh putain, y'a l'autre qui est venu. Ah, il est beaucoup plus facile que l'autre, hein, putain. Voilà, le secret il est là. Mais y'a rien ici, y'a rien, y'a rien, que dalle, y'a que Pudzob, que Kutchi, Nada, no, Walou. Est-ce qu'il y a un truc merde, est-ce qu'il y a un truc chelou dans un coin ou... Je suis allé là? Ah ouais, je suis allé là. Y'a rien, rien de particulier. Que du bonheur de foutre un live d'attaquer. Ouais mais là, il faudra que je regarde... Je passe à deux mains tranquillement. Je regarderai une carte sur, sur internet et je verrai les grottes que j'ai pas découvertes. Et puis on le finira à 100%. On va passer à Watchdog. À Watchdogé. Attends, je vais le déballer avant de lancer le stream. Putain, tu lui ouvres sa robe, tu sais. Téléporter quand même dans une meilleure musique le 2-3 minutes où je vais déballer la bête. Watch die. Alors respecte la gueule de qui toi. Psst. Je ne passe pas pour passer. Alors je peux te dire quelque chose d'important à propos des clés interdites. Il y en a 4 en tout. Merci, je le sais déjà. Pauvre con. Alors, qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Salut The PV Bandit. Qu'est-ce qu'on a dans ce collector? On a un vieux carton tout moche. Je comprendrai jamais. Mais il y a déjà un carton. Pourquoi lui foutre une capote avec les mêmes dessins et les mêmes designs? J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. Comment que ça s'ouvre ce bestiole? J'ai l'air d'un con, ça se défait, ça se... Ouh ! Tu soulèves la... On m'a l'air bien, Koulos. Koulos resta populos. Hop là. Sors de là. Ferme ça. Thank you.
Ça sent bon le plastique. Le nouveau là, comme ça, c'est un régal. Je ne sais pas pourquoi ils font pas des. J'adore mes senteurs plastiques. Ou senteurs notice 9. Franchement, senteurs notice 9, ça ferait un tabac auprès des geeks. La pluie dans le jeu me donne envie de pisser. Tu me recommandes quoi? Je te recommande Watch Dogs. It'll Do. Et à peu près tous les jeux que j'ai fait sur ma chaîne. Sauf celle où je gueule. Elle est bien la figurine, la vache. Elle est vraiment... J'adore les figurines. Chez moi, j'en ai énormément. C'est juste une petite partie qu'il y a derrière. Mais... Elle est vraiment swag. Hein. Bon, c'est sûr, ça sera moche comme ça, mais... Elle est vraiment très très qualitative. Un petit piédestal en pierre. C'est bien, ils ont compris que la petite rondelle de plastique, c'était un peu ridicule sur les... Oh, qu'est-ce qu'il a derrière les jambes? Ah, qu'elle est taguée. Ils ont remarqué que la petite rondelle de plastique toute dégueulasse desservait plutôt que... Mais très très jolie figurine. Très très jolie figurine. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le collector, en fait? Parce que 109 euros le bignou, je crois, quelque chose comme ça. Alors, des autocollants que tout le monde s'en branle à chaque fois. Ah, la carte de San Francisco à l'ancienne, terrible. Comme dans les vieux GTA et tout, ils te donnent la carte. Excellent, beautiful, coloré et tout. Marin, San Francisco, Oakland et Silicon Valley. Ah, il y a la Silicon Valley aussi. Ils ont fait comme Division, ils ont vraiment récupéré des sacrés morceaux hyper populaires de connus. Un DLC. Ok. Et le... Ah, c'est quoi ça? Ah, tu peux poster ton PSN, y'a pas de soucis, Valky. Les cartes postales, j'ai jamais... Ah non, c'est même pas des cartes postales, c'est des artworks dégueulassement imprimés. Ah putain, la qualité est dégueulasse. Enfin, vous le verrez pas en photo, mais la qualité du papier est dégueulasse. L'enveloppe, limite, est plus rigide et plus qualitative que le contenu, c'est marrant. Elle est plus rigide, ouais, non, je... Il sert strictement à rien, tu les vois une fois, tu les ranges et tu les oublies. Pourquoi ils ne les mettent pas avec le jeu de base? De quoi, la figurine? Acheter la figurine à part, au pire. Si côté HB t'as dit de mettre ça à la poule, mais HB il a pas de goût, il sait pas c'est quoi des vrais bons jeux. Quoi il commence, mais c'est pas que ça encore. Bon, je déballe ça, j'installe le jeu, en espérant que ça prenne pas des plombes, et on se retrouve dessus dès que ça sera installé. A toutes. Et It'll Do, c'est de la bombe.